La charnière centrale de la Seleção sous nos yeux ce soir. Ballon en profondeur pour Cavani qui n'est pas hors jeu. Et le but peut-être. Non, la barre pour Edinson Cavani qui était passé dans le dos de la défense guingampaise. Il n'était pas en position de hors jeu. Et voilà la première alerte pour les Guingampais. Pour Guingamp, et on vous le disait que c'était plutôt équilibré ce début de match avec un coup franc pour les Guingampais obtenu par Jérémy Piet, coup franc lointain frappé par Gires, le ballon pris de la tête par Sankaré. Jérémy Piet est venu plonger devant Blaise Matuidi pour porter le score à 1-0 pour les Guingampais qui dessinent peut-être les contours d'un nouvel exploit retentissant. Lévesque peut-être face à Thiago Silva. Oh, il tombe tout de même sur un monstre. Et il dégage mal. Thiago Silva, récupération de Gires aux abords de la surface. Centre vers Beauvue. Contrôle de Beauvue qui est passé. Et c'est à côté. Oh, Beauvue qui a encore failli être l'auteur d'une action de classe. Il a mangé David Luiz dans ce duel. Sirigu était aux fraises. Et ce ballon qui passe juste à côté du poteau. Oh, la balle de 2-0. Je me répète, j'ai l'impression de rêver. Moi, dans cette période avec Guingamp, on est sur une autre planète. Ne vous réveillez pas, Pierre, alors. Oh non, je ne me réveillais pas. Attention, carré pour Beauvue. Le face à face, face à Sirigu. À côté du poteau, détourné par Sirigu. Quel contre encore mené par Guingamp à 3 avec Pied sans carré. Beauvue qui a encore allé plus vite que David Luiz pour frapper ce ballon, frappe croisée, Sirigu qui maintient le PSG en vie. Dégagez vite le ballon, joli contrôle de la poitrine de Beauvue. Sankaré qui arrive. Sankaré face à Sirigu. Il vient buter sur Sirigu. Le contrôle trop long de Younous Sankaré qui s'était ouvert le chemin du but. Ah oui, le dernier contrôle était trop long. Oh, il est venu piquer les Parisiens comme pour leur rappeler que rien ne leur sera donné ce soir. Lucas Moura est là pour le frapper, il le joue vite avec Van der Ville, centre de Van der Ville, second poteau. La parade à côté, c'est parade ou poteau, c'est parade ou poteau. En tout cas, Ibrahimovic était tout seul au second poteau. L'arrêt du match, l'arrêt du match de Jonas Le Seul. Il a presque arrêté un pénalty sur cette action. C'est même plus un pénalty. Il a sauvé un but, Jonas Le Seul. Ibrahimovic au second poteau qui a repris de voler. Le Seul qui sort la parade, le ballon qui revient dans les pieds du Suédois et ça termine dans le petit filet. 3 minutes et 15 secondes, il ne manquait plus qu'un arrêt de grande classe pour permettre à Guingamp de s'imposer ce soir. Il est là pour l'instant, cet arrêt. Corner, ce ballon, Lucas pour le corner, Anthony Gauthier qui va donner le signal, tous les Parisiens, tous les Guingampais dans la surface. Lucas, c'est parti. Oh, une tête, c'est récupéré par Ibrahimovic. Ibrahimovic en retrait pour Cabaye. Il faut siffler. Il y a quoi? Touche, il y a quoi? Touche pour Paris, monsieur Anthony Gauthier qui regarde son chronomètre. C'est fini. Le grand Guingamp a battu le petit Paris ce soir. Guingamp qui n'en finit plus de renverser des montagnes dans cette saison. Guingamp qui a bousculé la hiérarchie sur la scène européenne et qui bat le PSG ce soir. Vous nous rendez fous.